Nous sommes vendredi 8 février. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal, journal que nous ouvrons par ce message du président de la République par intérim, le professeur John Koundé Traoré aux forces armées et de sécurité du Mali, suite aux affrontements qui ont eu lieu aujourd'hui au régiment des commandos parachutistes à Dikoroni-Para. Le président de la République par intérim, le professeur John Koundé Traoré s'est adressé encore une fois aux forces armées et de sécurité du Mali. Pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous bénis. Un peuple, un but, une fois, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour la vie et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour la vie et pour toi, Mali. Notre combat sera limité. Les champs fleuris d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Soldats de l'armée malienne, c'est profondément attristé que je m'adresse à vous ce soir suite aux événements de ce jour 8 février 2013. Oui, j'aurais préféré m'adresser à vous pour vous féliciter de l'action que vous menez au nord de notre pays et des victoires remportées en compagnie de nos frères et de nos alliés sur notre ennemi commun. Hélas, c'est suite au triste spectacle d'échange de tirs fratricides entre vous, au grand désespoir du peuple malien, et à un moment où la principale préoccupation de chaque Malienne et de chaque Malien devrait être constituée par les opérations que nous sommes en train de mener au Nord contre le terrorisme et les crimes organisés qui ont soumis pendant de trop longs mois déjà nos compatriotes du Nord à un véritable calvaire. Devant un tel spectacle, quel sentiment croyez-vous qu'éprouvent vos frères, vos compagnons d'armes, venus vous offrir de mourir à vos côtés pour sauver votre pays? Le sentiment, simplement, que certains d'entre nous n'ont toujours pas compris la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons, ou tout simplement ne donnent aucune importance à l'existence même de leur patrie. Le sentiment qu'ils sont venus peut-être mourir pour rien. En conséquence, je vous demande d'arrêter définitivement ces affrontements répétés au sein de l'armée malienne qui doit tout faire pour se ressaisir et se hisser à hauteur de mission. Ceux qui nous observent sont perplexes. Ils ne comprennent pas ce qui arrive aux Maliens. Ils ne comprennent pas cette image si négative du peuple malien que certains s'évertuent à leur envoyer. Pour nous-mêmes, pour le Mali et pour eux, je vous exhorte à arrêter ces comportements où la raison est totalement absente et où l'ego, si mauvais conseiller, est seul présent. L'armée malienne a certainement bien d'autres choses à faire que ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui. Dès lundi, le Premier ministre recevra les représentants du régiment des commandos parachutistes avec la hiérarchie militaire pour trouver une solution
définitive à cette crise. J'ose espérer que chacun a pris conscience de la gravité de ce qui s'est passé pour ne pas compromettre davantage l'union sacrée, indispensable pour relever les défis qui sont les nôtres en ces moments difficiles. Je compte sur le sens patriotique et l'attachement de tous à la quiétude de nos paisibles populations et je suis sûr que vous ne nous décevrez pas. En votre nom à tous, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, je présente nos excuses sincères à nos hôtes africains et français. Vive l'armée malienne réconciliée avec elle-même. Vive le Mali. Que Dieu vous bénisse. Les cœurs vibrent de confiance.